Aucun grand auteur n'est simple, même surtout s'il en a l'air. Et toute sa vie, comme nous allons le voir et l'entendre, Louise Bunuel a refusé de se laisser aller aux commentaires, à l'explication de ses films. Quand il a accepté rarement de répondre à quelques questions, il l'a toujours fait sous le masque d'une extrême simplicité, à quoi s'ajoutait son humour naturel et un goût irrépressible de la mystification. Dans quelle mesure son inconscient, comme celui de son pays, de son milieu, de son époque, apparaissent-ils dans ses films? La réponse est difficile. D'autant plus que nous savons qu'il a toujours refusé de la donner et que, sans perdre un instant de son sourire, il serait en désaccord avec tout ce que nous allons dire. Bon, essayons quand même. J'ai un certain pudeur de l'exhibitionnisme. C'est mettre en face d'une caméra, soit de télévision, de photographie. C'est très courant dans notre époque, n'est-ce pas? Mais pour moi, par des raisons tout à fait personnelles et peut-être irrationnelles, j'ai une certaine horreur à ça. Je n'aime pas la publicité, je suis un homme assez retiré, et peut-être à cause de ça aussi, je n'aime pas m'exciter. Mais qui est Louise Bunuel? C'est Louise, pour moi, n'était pas... Pas le metteur en scène, pas, mais pour moi, c'est un ami. Je sais, je suis très ému maintenant que je suis là avec Michel Piccoli et Jean-Claude Carrière, et que tout le monde parle de lui de sa façon. Et je pense la même chose qu'eux, et je vais m'exprimer autrement. On a tous des communs. Chose incroyable, que lui, c'était un être humain extraordinaire. On vivait avec lui, pour commencer. C'était un gentleman en deux mots, un caballero espagnol. Mais non, la main était la main, le shake hand était shake hand, l'air de rendez-vous était rendez-vous. Jamais en retard, toujours respectueux, plein d'humilité, pas prétentieux, plein de culture, en ne montrant pas tout ce qu'il sait, en n'essayant pas montrer dit tout ce qu'il sait, plein d'humour, de tendresse. Qu'est-ce que vous voulez de plus que je vous ai Bunuel? Je crois que je ne peux pas distinguer la place qu'a tenue Bunuel dans ma vie dite professionnelle et dans ma vie tout court. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'étais très jeune, j'étais un scénariste débutant. J'avais travaillé avec Jacques Tati et Pierre Etex, qui m'avaient appris, bien sûr, la construction comique et l'observation des choses et des gens dans les bistrots, dans les rues. Bunuel insistait d'abord sur la force et le travail de l'imagination, et même sur l'entraînement de l'imagination. Alors c'est certainement ce qu'il m'a appris à faire le plus, c'est-à-dire ouvrir toutes les barrières, étant donné une situation, à aller aussi loin que possible. Il disait tout le temps, un scénariste, un auteur en général, tous les jours doit tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. Et s'il ne le fait pas, personne ne le fera à sa place. Non, il avait ce sentiment d'une très grande exploration, bien entendu, de temps en temps, contrôlée. Mais je crois que ce qu'on peut appeler un enseignement, bien sûr, de maître à élève, ne peut pas se séparer de ce qu'il enseignait tout simplement en vivant, par sa manière de vivre, d'abord, sa morale personnelle, et aussi par son attitude à l'égard du cinéma et à l'égard de ses films. C'était plus que de la modestie, c'était pas tout à fait de l'indifférence, mais c'était un refus de ce qu'on appelle le cinoche, en général, de ce qu'on appelle toute la superfluité et la superficialité, quelquefois, de ce travail qui était absolument exemplaire. Alors ça, c'est sa rigueur, qui était une rigueur souriante. C'était pas du tout un janséniste, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie, qui aimait rire énormément, mais qui obéissait toujours à cette phrase qu'il a dite aussi, ce que je ne fais pas pour un dollar, je ne le fais pas pour un million de dollars. Il a tenu parole toute sa vie, et cet enseignement-là est sûrement beaucoup plus important encore que l'autre. La liberté totale n'existe pas. Je n'étais jamais libre. Je suis libre quand je ferme les yeux, je suis avec moi-même. Sans ça, je me sens toujours enchaîné. Et justement, l'inconformisme, c'est cette tendance à casser les chaînes, à récupérer sa propre liberté. Chose qui est impossible. C'est pour ça dont l'inconformisme permanent et total avec la réalité extérieure.
Mais oui, mais en fait, Buñuel, c'était... Enfin, pour moi, c'était, pour moi, c'est quelqu'un qui vous révélait. Les gens qui travaillent avec lui étaient révélés, je peux dire, non ? Enfin, il me semble. La vie du producteur Serge Silbermann a totalement changé après sa rencontre avec Louis Buñuel. Il a travaillé avec de grands cinéastes comme Orson Welles, Jean-Pierre Melville, Akira Kurosawa, Jacques Becker, René Clément, Nagisa Oshima. Mais ce n'est qu'avec Buñuel qu'il y eut cette symbiose et cette complicité qui dura 22 ans. A priori, rien ne prédestinait à cette amitié entre un Espagnol élevé chez les Jésuites, exilé au Mexique, et Serge Silbermann, juif polonais, totalement laïque, rescapé des camps de concentration et vivant en France. En 1962, à Paris, John Moskovitch, le correspondant de Variety, la plus importante revue américaine du spectacle, proposa à Silbermann de travailler avec Louis Buñuel. Silbermann pensait que cela n'était pas réalisable, car Louis Buñuel était un très grand créateur et il le croyait toujours en exil au Mexique. À sa grande surprise, une semaine plus tard, John Moskovitch lui annonce que Louis Buñuel vient d'arriver en Espagne. Il s'embarque immédiatement pour Madrid et s'installe dans un grand immeuble, la Torre de Madrid, au 26e étage. Louis habitait le même immeuble et le même étage, juste en face de son petit appartement. Serge lui parle du film de Jacques Becker, Le Trou. À sa grande surprise, Buñuel a vu le film et il l'a adoré et l'a trouvé totalement surréaliste. Il pense aussi qu'il faut être totalement fou pour avoir produit un tel film. Ils ont évoqué les sujets que Louis pouvait réaliser, dont Au-dessus du volcan de Malcolm Lowry, immédiatement écarté par Louis, car c'était impossible d'adapter correctement ce chef-d'œuvre. Un film sur Gilles de Rais, écarté aussi, puis Louis parle du journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Là, à nouveau, le hasard de la vie, Jacques Becker avait déjà proposé à Silbermann de refaire ce film. Le projet ne fut jamais réalisé car malheureusement Becker mourut quelques semaines plus tard. Buñuel et Silbermann décident alors de produire Le journal d'une femme de chambre. Le journal d'une femme de chambre, ce qui était intéressant là-dedans, c'est ces critiques qu'il faisait de la société bourgeoise, que la fille veut coucher avec l'assassin de la jeune fille parce que ça l'intéressait, ça l'excitait de coucher avec quelqu'un qui avait tué, de le faire avouer qu'il avait violé, tué une petite fille. Et à la fin, c'est elle qui est punie et pas l'assassin. C'est un critique féroce de la société bourgeoise. Et... Je sais pas. Ce que dit Célestine. Alors, hein? On s'habitue? Hein? On s'habitue? Mais laissez-moi. Monsieur sait bien que je suis une roulure. Alors, voyons, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes filles. Alors, Célestine, ben, écoutez, la petite Célestine. Que j'ai une mauvaise maladie. Quoi? Que j'ai la vérole. Oh, nous la chien, nous la chien, nous la chien. Célestine, écoutez-moi, écoutez-moi un peu. Merde. J'ai réfléchi et puis je me suis dit, au fond, la seule manière de parler de lui serait de dire qu'il est noir et blanc, qu'il est en haut, qu'il est en bas, qu'il est à droite, qu'il est à gauche, qu'il est totalement, ce qui est vrai, incernable, insaisissable. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui constituerait le cœur insaisissable de Buñuel? Alors d'abord, je me suis dit, voilà un metteur en scène espagnol, totalement espagnol et même plus qu'espagnol, il est aragonais. Et tout en étant aragonais, il est pourtant le plus international, le plus universel des Espagnols. Et on ne peut pas, à l'intérieur du personnage, ni de son œuvre, on ne peut pas discerner, on ne peut pas dire ça c'est espagnol, ça ça l'est pas. Donc déjà, il est ceci et cela. Porque el cine que estábamos haciendo en España, o que yo quería hacer, el que yo quería hacer no coincidía con lo que se hacía en España. Ni siquiera tampoco con lo que hacían Bardem y Berlanga, por ejemplo. Te pongo dos ejemplos, ¿verdad? Que son personas que admiro mucho, ¿no? Pero yo pensaba que no, que se podía hacer otra cosa, otro tipo de cine.
Y entonces, de repente vi que Buñuel estaba haciendo eso que yo quería hacer de otra manera, naturalmente, salvando las distancias, que era tender una especie de puente, ¿no?, entre el pasado español, el pasado histórico, la cultura española, ¿verdad?, y el mundo contemporáneo, el mundo moderno, y una visión irónica, un poco cáustica, muy aragonesa, entre comillas, ¿no?, o por lo menos yo lo veía entonces así, quizá ahora lo veo un poco más difuso, pero entonces yo veía que esa socarronería, esa forma de ver las cosas de la vida, yo podía interpretarlo muy bien porque pertenecía también a esa tierra, a esa tierra de España donde se cultiva mucho ese tipo de humor, ¿no? Y ya te digo, yo encontré allí ese camino que a mí me condujo un poco a lo que yo iba a hacer en el futuro, ¿no? Personnellement, oui. Intelligemment, aucun. Je ne me trouve pas lié à aucun espagnol. Je suis très lié. Par instinct, très lié, mais intellectuellement, rien. Je n'ai rien à voir avec aucun espagnol. On parle toujours de Goya, certaines références à Goya quand c'est fait un film, c'est facile. D'ailleurs, c'est très facile. Goya, eh bien, rien. Non, je crois qu'il est espagnol d'abord parce que toute son enfance, même son adolescence, réapparaît dans les films. Donc il est espagnol, sans aucun doute. Mais en même temps, c'est un artiste de type international. Et il avait une culture aussi, il adorait la culture française, mais il avait aussi une culture différente. Et moi, je lui disais, quand j'allais le voir à l'hôtel, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Il disait, je vais me mettre dans mon lit. Il se levait donc très tôt le lendemain matin. Et je prendrai un peu de lecture. Et je disais, quelle lecture? Et il me disait, je ne sais pas, la Bible ou François. Bueno, il era muy español, muy español. Y ese humor yo lo he encontrado también en Clarín, en Galdós, en muchos escritores de su tiempo, y de no su tiempo, y en Quevedo. Y a él lo que le pasa es que le molestaba, dice, me molesta mucho siempre Goya, Buñuel, Goya. Que es verdad, es mi paisano, un genio, pero yo soy autor de cine y él era pintor, porque siempre me están comparando, no le gustaba. Non, c'était un père à la maison, on ne parlait jamais de cinéma. On parlait toujours de la guerre civile. Les copains qui venaient à la maison, c'était toujours des ex-réfugiés. Alors, la grande discussion, c'était toujours sur la guerre civile. Et du cinéma, c'était pas intéressant. Toujours Buñuel. Oui, c'est toujours Buñuel. En tout cas, peut-être Tristana, Viridiana sont des films tellement espagnols qu'il ne peut pas les tourner ici. Mais les films que nous faisons maintenant, Le charme discret de la bourgeoisie, est un film qu'il ne pourrait pas le faire en Espagne. C'est un film pour le tourner ici, en France. Mais calmez-vous, mon colonel, je vous en conjure. Mais l'ambassadeur est un homme charmant, je ne comprends pas. Ah, l'ambassadeur est un goujat et je l'ai traité comme tel. C'est impossible, c'est un malentendu. Alors voyons, du calme, mon colonel. Racontez-nous ce qui s'est passé. Rien de tragique. Pardon. Colonel. Qu'est-ce qui t'arrive? Je rêvais que moi, non. Yo creo que Buñuel era, como en todo y mucha gente, una pura contradicción, pero en él destacaba un españolismo, no un españolismo, una tendencia a querer lo español y a defenderlo en grados superlativos. Ejemplo, decía, el vino tinto hoy en día hay algunos vinos franceses, muy pocos, que puedan superar a cualquier vino de La Rioja
o el de la Ribera del Duero. Era un entusiasta de nuestras cosas. En otros muchos aspectos de su vida, en sus lecturas, en todo, él pasó, por ejemplo, caso curioso, con el novelista Galdós, Pérez Galdós, de joven, como muy iconoclasta que era, odiaba a Galdós. Con los años fue un amante y un defensor de Galdós, hasta el punto que hizo Nazarín y varias películas como Tristana, Nazarín, etc., inspiradas en la obra de Galdós. Si bien es verdad, Galdós también, sobre todo Tristana, es un ambiente de Toledo, muy toledana, en donde estamos ahora. Avez-vous crié comme ça? Un rêve, Saturna, j'ai fait un rêve, j'ai vu quelque chose d'horrible, le battant de la cloche. Calmez-vous, restez tranquille. C'est fini, n'y pensez plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Tu souffres? Tu es malade? Monsieur, elle a eu un cauchemar. Pauvre petite. Allez, prépare-lui une de ces mixtures que tu affectionnes, un tilleul, ce que je sais, file, file. Allons, allons, calme-toi, c'est terminé. Tu as appelé comme si tu avais vu le diable. Je me souviens quand tu étais petite, dès que tu me voyais, tu commençais à pousser des cris. Exactement comme maintenant. C'est fini, vous pouvez partir. Même si c'est un cauchemar, c'est bon de faire des rêves. Les morts ne rêvent pas. Allez, bonne nuit, ma fille. C'est un... non seulement un des cinéastes, mais certainement un des hommes les plus subversifs du XXe siècle. Et depuis sa jeunesse, où la subversion était radicale et violente, celle du chien andalou et de l'âge d'or, jusqu'à son âge mûr et sa vieillesse, où la subversion était plus douce, mais non moins redoutable. Il était très subversif, et dans sa vie privée, l'homme le plus calme, le plus bourgeois, entre guillemets, le plus... je peux dire, le plus sage et le plus gentil qu'on puisse imaginer. C'était un homme virulent et très très bon. Tous ceux qui l'ont connu l'ont dit. Et c'est pas nous ici qui dirons le contraire. On disait de lui dans le groupe surréaliste qu'il était bon comme le pain. Au moins, ce sont des symboles, je les ignore. Mais jamais, jamais, j'ai pensé, j'ai quoi, un symbole conscient, un symbole rationnel. J'ai aucun parti pris, aucune idée théorique en commençant. Ce sont des choses... sincère, peut-être c'est provoquant, oui, eh bien, je les vois après. Dans le temps, oui, l'âge d'or, par exemple. C'était pensé pour provoquer, pour offenser. Et maintenant, si je suis blasphème, provocateur, profanateur, tout ça, je suis inconscient de ça. Il n'y a pas de Dieu. Toutes les religions partent d'un principe faux, Thérèse. Tout suppose comme nécessaire le culte d'un dieu créateur, mais ce créateur n'existe jamais. Est-il une seule religion qui ne porte l'emblème de l'imposture et de la stupidité? Mais si de toutes une mérite plus particulièrement notre mépris et notre haine, n'est-ce pas cette loi barbare du christianisme dans laquelle nous sommes tous les deux nés? Tu comptes sur un dieu vengeur. Détrompe-toi, Thérèse, détrompe-toi. Ce dieu que tu te forges n'est qu'une chimère, dont la sotte existence ne se trouva jamais que dans la tête des fous. C'est un fantôme inventé par la méchanceté des hommes, qui n'a pour but que de les tromper, de les armer les uns contre les autres. Si ce maître existait effectivement, avec tous les défauts dont il a rempli ses œuvres, méritait-il de nous autre chose que des mépris ou des outrages? Je crois que s'il y avait un dieu, il y aurait moins de mal sur la terre. Écoutez, Buñuel, une fois, comme j'étais l'interprète de Buñuel, je sais ce que Buñuel disait de Sade. Parce qu'une fois, on lui a dit, mais monsieur Buñuel, vous avez été très influencé par Sade. Il répond, influencé? Non, pas du tout.
J'ai lu Sade beaucoup, j'ai lu Sade, mais influencé pas du tout. Mais dans votre film Elle, sur la jalousie, à un moment on voit le monsieur, le mari qui est jaloux et il coule le sexe de la femme. Et il dit oui. Et alors, c'est pas sadique? Vous, quand votre femme vous trompe, vous offrez un verre de bière au monsieur. Moi, je couds. C'est pas sadique? Oui, oui, ah oui, c'est une jalousie qui est portée. Et la personne croit dans la vérité de sa jalousie. Il n'y a pas de... Il l'a montré, on l'avait près de nous à Mexico, un monsieur qui était exactement la même chose, un général mexicain. Et il était très jaloux de sa femme. Et sa femme venait nous voir se plaindre, c'était la voisine, que son mari, par exemple, il partait. Il dit, chérie, je m'en vais pour une semaine dans le nord du Mexique. Alors, il partait, le soir, il revenait, il grattait à la porte. Et changeait sa voix et disait, chérie, c'est moi, ton amant, ton mari n'est plus là. Alors la femme affolée prenait un pistolet et tirait 2 balles à travers la porte. Et alors là, le mari furieux, c'est, oui, tu m'as reconnu et tu voulais me tuer. Elle a dit, mais non, je t'ai pas reconnu. Et mon père, quand elle est sortie, lui a invité voir le film pour voir sa réaction. Et le mari est revenu, dit, quel fou, elle, c'est un fou. Parce que lui, il s'associait pas. Pour lui, c'était la vérité. Sa femme lui trompait. Et c'était une vérité. Pendant que dans le film, on voyait très bien, on voyait les deux côtés, on voyait qu'elle ne le trompait pas. C'est vrai que pour moi, Buñuel, c'était un grand artiste, un créateur, mais c'était aussi un homme discret, fraternel, respectueux. Il était aussi respectueux comme homme qu'il était irrespectueux comme artiste. Comme créateur, oui. Et puis il démystifiait, il était explosif, c'était un libérateur, il libérait un petit peu les humains en dénonçant tout ce qui les aliène, tout ce qui les emprisonne, les appareils, les dogmes, les doctrines. Et par là, on peut dire qu'il était aussi un moraliste. Ça dépendait du producteur et de les gens que je devais manger, non? Pour vu que ce soit une chose qui ne répugne pas ma conscience ou mes idées, j'accepte n'importe pourquoi. Même si j'étais un peu stupide, ça faisait le mieux possible pour ne pas, qu'il ne soit pas trop stupide. Mais enfin, j'ai... Ben, un des rôles, puisque j'ai eu la joie et l'honneur de travailler 5 fois sous sa direction, c'est quand même la bourgeoisie où, à la fois, je devais être évêque, ouvrier jardinier et assassin. Alors, il est évident que ça demandait un certain nombre d'imaginaires qui étaient assez insolites au départ, mais avec lui, c'était légal. Quand je suis arrivé pour tourner, on tournait en banlieue de Paris, enfin, en petite province. Il m'a dit, vous savez bien faire les fusils de chasse? J'ai dit, non, je ne suis pas chasseur. Alors, vous prenez les fusils, vous allez vous exercer dans les villages. Alors je comprends que ça l'amusait, je prends le fusil, j'étais habillé en évêque, et me voilà, car quand les gens me croisaient, ils me demandaient l'absolution, n'est-ce pas? Et on me voit tirer vers le ciel. Et il y a une dame qui me dit, mais pourquoi? Alors je dis, madame, parce que c'est un film, enfin on s'amuse. Et ça l'avait beaucoup distrait, de voir cet évêque fusillant le ciel. On se rencontre, on se regardait, on se comprenait. Voilà. Et vous savez, il y avait une chose formidable, que notre accord était toujours simple. Si on n'est pas d'accord, on se sépare. On ne s'est pas séparés. Chacun gardait sa liberté. Par exemple, le Belle de Jour, le livre en soi-même n'intéressait pas du tout. C'est l'histoire d'une pute. Bon, il y en a beaucoup de livres et c'est sans intérêt. Ce qui est intéressant, par contre, c'était la perversion de Catherine Deneuve, ce qu'elle faisait dans sa tête, son masochisme qu'elle avait. Ça, c'était intéressant. La fille qui devenait pute et avec cette chose derrière elle. Ça, c'était intéressant. Il y a un moment, on jette de la merde sur elle et c'était moi qui l'ai fait. Parce que tout le monde avait peur de le faire. C'était pas de la merde, c'était du fromage blanc. Et bon, elle est attachée. Oui, elle s'est prêtée à ça, très bien. Oui. Disons que ce qui l'intéressait, c'est plutôt l'œil d'un entomologue, quelqu'un qui regarde un insecte. Comment ça va, petite ordure? Alors, tu vas bien, espèce de traînée? Vieille roulure. Fumier. Allumé. Pure infime. Félatimone. Spermatrice. Bouffiasse. Pierre.
Pierre, je t'en supplie, arrête, je t'aime, Pierre. Carducci, on se refuse rien. Qui êtes-vous? Ça te porte peine de revenir? Non. Moi, c'est à cause de mon fiancé. Il est coureur cycliste, il a eu un accident, il ne peut plus travailler. Il sait que je viens ici. J'aime bien, pourtant. Oh, naturellement, je pourrais gagner ma vie ailleurs. Et tu gagnerais quoi? C'est vrai. Nous attendons le professeur d'une minute à l'autre. Tiens, je vais vous le présenter. Vous êtes tout à fait son type. Qui est-ce? Oh, c'est un médecin pour femmes, une célébrité, paraît-il. Il a une clientèle internationale. Il y a 2 mois, il est allé à Copenhague faire une opération. Et voilà. Enorme suerte, muchísima suerte. He tenido suerte de trabajar con un hombre, sobre todo un hombre extraordinario en todos los sentidos. Moralmente, amigo, formidable. Y luego un poeta, para mí, yo creo que es de los realizadores de cine, de los creadores, como el creador más poeta con el que yo he trabajado, el creador más auténtico. Y luego como persona, una delicia. Cuando la gente me pregunta, ¿y tú le querías mucho? Digo, es que es imposible no conocer a Buñuel y no quererlo, hay que quererlo por fuerza, por su gran bondad, por su delicadeza, por su amor por las personas, ¿no? Aunque la gente creía que aún siendo cruel en sus películas, creían que era un tío terrible, como un ogro, ¿no? Y todo lo contrario, yo creo que en eso tenía un cierto principio cristiano que a veces coincide con las buenas personas, ¿no? A veces, en que mostrando el mal, la gente desea el bien, ¿no? Mostrando lo asqueroso, la gente desea lo sublime, lo hermoso. La place de Buñuel dans l'histoire du cinéma mondial est celle d'un poète, parce que c'était un cinéaste qui finalement n'appartenait pas vraiment au cinéma et qui a poursuivi tout seul, avec quelques producteurs bien sûr, une sorte de rêverie. Et de ce point de vue, je crois qu'il ne peut pas être comparé à un autre cinéaste. Lui, son histoire, déjà ce qu'on écrivait sur lui, son visage, c'est un des hommes, un des plus beaux visages d'homme qui a existé. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais alors, en tant qu'acteur, je vais raconter une histoire magnifique d'acteur, mais peut-être elle a été inventée, Serge Silberman va peut-être dire l'exacte chose. Il a commencé à tourner, qu'est-ce que c'était, le film où il y a Carole Bouquet et... Cet obscur objet du désir. Voilà l'histoire. Peut-être que ce n'est pas tout à fait juste. Le film commence avec une actrice. Bon, voilà. Au bout de deux jours, ça ne va pas. Il y a une mésentente complète entre lui et l'actrice. Et Buñuel dit à Serge Silberman, je ne peux plus tourner. Ou Serge Silberman dit, je vois que... On arrête le film. Ce n'est pas possible de travailler comme ça. Et Buñuel dit à Serge Silberman, laissez-moi réfléchir 24 heures. Bon, ici, Luis m'a donné rendez-vous à dimanche, à midi et demi, et il m'a dit que j'ai reçu un message parce que je venais de Paris. J'ai reçu un message que je dois venir ici avec un bloc, un crayon, et pas ouvrir la bouche pendant une heure, et écouter, marquer tout. Et vous avez bu? Non, je viens avec les papiers, hein. Lui, il est déjà assis, il prend et on commande un vrai martini, le premier, hein. On prend un deuxième, pas un mot. Au troisième, Serge, on commence à boire déjà, presque à moitié. Serge, est-ce que tu sais, chaque actrice que j'ai vue dans l'essai et que tu as vu aussi, est possible. Le film est possible, mais ça a toujours... Un film peut être mieux que les autres, mais c'est un film. Est-ce que tu te rappelles Dr. Jekyll, Mr. Hyde? J'ai dit oui. Alors j'ai dit, lui, j'ai compris. On prend toutes les deux. Pour le même rôle. Et alors j'ai dit, Louise, permettez-moi une chose. On va terminer Dry Martini.
J'allais immédiatement à l'hôtel et prévenir les deux actrices, les deux filles qui sont là-bas, qu'elles tournent le film. Elles devront faire. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de recommencer Obscur Plaisir, qu'à un moment donné, était arrêté complètement. To your lovely body, the typical Spanish dancer, Conchita, a hair primitive, paraphernalia. Qu'est-ce que vous faites ici? Dehors, tout le monde! Who is this guy? Dehors, tout le monde! Où est-ce que ce qui est formidable, c'est que Buñuel devient de plus en plus, plus ça passe, plus il devient grand. Et personne ne s'est rendu compte comment il était grand à l'époque. C'est parce qu'il était trop grand. Parce qu'il était sobre. Parce qu'il était trop grand, sobre et... Je sais pas, bon. Il n'a jamais dit qu'il était grand. Quoi. Non, jamais. Alors que d'autres le proclament sans cesse. Mais il faisait quand même partie d'une grande génération. Il le savait qu'il faisait partie de cette génération de... Il n'était pas prétentieux. Non. Non. Aucune prétention. Non, jamais. Jamais il disait, moi j'étais surréaliste, moi j'étais ami de Dali, moi j'ai connu Breton, moi. Jamais il ne disait moi. Jamais moi. Quelquefois, s'il n'y a pas quand même une façon de voir les gens et de voir les choses, enfin, un regard, je ne veux pas dire qu'il hypnotise les acteurs, pas du tout, mais il a une façon de voir les choses et les gens particulièrement intéressante, et peut-être qu'il y a... Par exemple, moi, je sais que quand je travaille avec lui ou quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'être complètement transparent, de ne rien pouvoir lui cacher. Vous avez cette impression, vous aussi? Oui, aussi. Moi, il lit à travers vous. Moi, ce n'est pas cette impression, je suis sûr. Él era un gran moralista, ¿no? Tú sabes que la moral depende de todo en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Lo que para un beato, un católico acérrimo de sacristía, es inmoral, para él era moral. Por ejemplo, el que en Viridiana le parecía que era una película moralísima. Pero quitando esas cosas que son... cosas muy sutiles en cuanto a las conciencias, las cosas sociales, las cosas de tipo humano, era de una gran moralidad. Mucho más moral que los que presumen de tenerla, ¿no?